Hey, salut à tous et à tous, c'est Eka et aujourd'hui nouvelle vidéo et on est là pour vous trouver des emplacements de Ferrari. Et oui les gars, donc c'est la nouvelle mise à jour qui a eu lieu aujourd'hui. Ils ont inclus un nouveau véhicule, donc une Ferrari 296 GTB. Et oui les gars, donc ça va être l'actuel défi le plus réputé actuellement, parce qu'il y a trois défis centralisés sur cette Ferrari. Donc réussir les défis chronométrés, il y a atteindre la vitesse maximum et conduire une Ferrari. Donc tout simplement, je vais vous montrer tous les emplacements où vous pouvez en avoir. Du moins, je vais vous en donner pas mal où vous êtes susceptible d'en trouver facilement. Et on va essayer de faire quelques défis ensemble, notamment du coup conduire une Ferrari dans la tempête. Allez du coup les potes, n'hésitez pas à liker, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo défi vous a aidé les gars. Et sur ce, n'oubliez pas aussi de la boutique, le code créateur Bokuni, B-O-K-U-N-I. Et dites-moi les gars si ça vous intéresserait qu'on fasse gagner le pack Ferrari juste ici. Si vous êtes intéressé, pourquoi pas, on essaiera peut-être du coup de faire une petite vidéo pour le gagner. N'oubliez pas également, sur notre Discord, il y a actuellement 3 giveaways. Vous pouvez gagner donc le petit pack LeBron James. Vous avez également 800 V-Bucks à gagner de la part de Bokuni. Et vous avez aussi du coup un pack Buga, donc pour gagner les gens sur notre Discord. Vous allez tout simplement rejoindre le lien qui est dans la description et dans les commentaires épinglés. Et sur ce, let's go pour les emplacements des Ferrari. Et voilà les gars, du coup pour l'emplacement de la Ferrari, ça va être vraiment aléatoire, mais je conseille notamment 2 spots pour l'avoir facilement. Donc j'étais avec Bokuni, on a fait exprès, on a fait aller peut-être des games de 10, 15, 20 minutes. Ça a pris énormément de temps, mais c'est vraiment un travail de recherche qu'on a fait pour vous. Et moi je peux vous dire du coup à peu près les spawns où vous êtes sûr d'en avoir. Donc actuellement il y a Bokuni qui a eu donc une fois sur 3 games une Ferrari à Lazy Lake. J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes aussi qui avaient souvent des Ferrari à Lazy Lake. Donc je vous conseille d'atterrir là-bas. Mais l'endroit le plus souvent où il y a eu des Ferrari et où j'ai quasiment eu, allez, sur 4 games j'ai eu 3 Ferrari. Donc vraiment c'est quasi impossible que vous en trouviez pas là où je suis, à Believer Beach. Ok, alors à Believer Beach, bien sûr, ça spawn aléatoirement là où il y a une voiture normale. Il y a un pourcentage de chance qu'en fait cette voiture soit un camion, soit du coup un 4x4, soit une normale, soit une Whiplash. Donc c'est aléatoire, mais globalement aux endroits où il y a le maximum de voitures, là où il y a le plus de voitures, vous êtes susceptible d'en trouver facilement. Actuellement j'en ai trouvé une juste ici. Donc il y en a également qui spawn très souvent à l'endroit juste ici, donc à la station essence. Donc voilà, je vous conseille la station essence directement de Believer Beach, ou du coup le parking qui se trouve juste ici. Donc vous allez aux deux opposés. Si vous en trouvez pas, c'est qu'il n'y en a pas, d'accord. Mais comme je vous ai dit, rarement, j'ai rarement eu des problèmes avec ça. Donc les gars, on va directement aller prendre la Ferrari et on va faire un petit peu de chemin ensemble. Donc tu vois, atteindre la Ferrari, atteindre la vitesse maximum, j'ai spawn directement dessus, j'étais en vitesse max. Donc bon, comme quoi des fois il y a des défis qui peuvent un peu bugger. Alors cette voiture a un petit turbo exactement comme la Whiplash, donc il va consommer du carburant. Donc je vais le faire, moi ça va me bousiller mon carbu, mais c'est pas très grave. Mais en gros voilà, vous avez un boost énorme. J'ai jamais vu une vitesse pareille. Mais en gros voilà, donc vous avez déjà 2 défis réalisables très facilement grâce à ça. Donc un, c'est conduire une Ferrari dans la tempête. Donc suffit juste de la conduire hors zone bien sûr, et du coup atteindre vite la vitesse maximum dans une Ferrari. Ok, donc après on a réussi les défis chronométrés, mais ça je vous propose de regarder ça dans une nouvelle vidéo qui sera du coup à la suite de celle-ci et que Bokuni fera, parce qu'il est actuellement en train de faire le défi chronométré avec moi-même en vidéo, et du coup vous verrez son point de vue pour ce défi. En tout cas les gars, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et n'hésitez pas à me dire les gars ce que vous pensez de la Ferrari dans les commentaires. Est-ce que vous la trouvez bien? Est-ce que vous la trouvez meilleure que la Whiplash? Est-ce que vous êtes ravi de cet ajout en jeu? Et si oui,
Quelle autre voiture voudriez-vous voir dans le jeu Fortnite? Est-ce que vous avez d'autres modèles? Est-ce que vous avez peut-être, je sais pas, la Bugatti Veyron, etc. Est-ce qu'il y a un modèle de voiture spécial que vous voudriez voir sur le jeu Fortnite? En tout cas, les gars, c'était Ekar. N'hésitez pas à mettre le petit like, l'abonnement, et n'hésitez pas, du coup, à mettre le code créateur Bokuni. On se retrouve dans de prochaines vidéos. Ciao!